Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Dune, Spice Wars, toujours avec les Atreides, j'allais dire les Fremen. Non, les Fremen, c'est ceux qu'on voudrait tabasser. On voudrait leur tabasser la raie. On ne les aime pas. Ils sont méchants. Voilà. Très bien. Donc, on avait arnaqué les Harkonnen en leur achetant du Plascrit contre des renseignements. Quelle bande d'imbéciles. Vote au conseil du Landstat. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Contrôles architecturaux. Ah oui, alors ça, il faut que ce soit les contrebandiers qui soient affectés. Alors pourquoi comme ça on pourrait aller leur casser la bouche? Coût d'entretien en Solari. Mais c'est pour tout le monde, donc on va quand même le faire, voilà. 32 votes, magnifique. Réputation auprès du Landstat. Oui, les Harkonnen. Mais je vais pas voter contre eux. Voilà, ça ce serait très très bien que ce soit eux qui soient touchés. Alors... ils vont gagner de l'argent, c'est-à-dire que leurs bâtiments coûteront moins cher. Mais si leur bâtiment principal ne peut pas taper, nous on peut les attaquer comme des sacs à merde, comme des gros enfoiros. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut attaquer les gens dans le dos. Et alors, je rappelle, nous sommes les Atreides, nous sommes honorables. Tout ça, tout ça. Je rappelle quand même, je resitue les choses. Ok, voilà. En plus, on a les guerriers du Landstat, là, voilà, voilà. Donc ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Opération à votre rencontre. Oui, comme d'habitude, les Fremen nous cassent les bourses. Bah tiens, voilà. Nya. Ça c'est à moi aussi. Voilà. Moi aussi je peux le faire, hein, te voler des trucs. Voilà. Non, moi aussi je peux faire. On sait tous faire. Viens te battre un petit peu comme un homme. Et on en rediscutera après, mon ami. Vers des sables détectés. Encore un. C'est un petit peu la foire à la saucisse. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Hop, moissonneuse inactive, tu te déploies. Oh là, activé. Parce qu'on... alors, vaut mieux l'activer, hein, parce que quand on voit le nombre de vers des sables qu'il y a sur la planète, si vous voulez pas passer votre temps à vous amuser à faire des allers-retours, d'activer, désactiver, enfin d'appuyer sur le truc rappel. Il y va aussi. Ah, ils y vont tous, là. Alors, vers des sables détectés. Encore un. Oh, putain. Pardon. C'est fou. C'est juste fou, le nombre de vers des sables qu'il y a. C'est presque abusé, d'ailleurs. Bah, et mon ornithoptère, là, il est où? Dépêche-toi. Alors, rejeter maison Atreide. Ah, bon. Bah écoutez, moissonneuse inactive. Donc nos bâtiments coûtent moins cher. Bah écoutez, c'est très bien parce que regardez, là on va avoir un nouveau petit village. Et mes bâtiments coûtent moins cher quoi. Donc voilà. Moi je suis content quand même, mine de rien. J'ai construit une moissonneuse ici, hein, oui. J'ai pas assez de cellules d'énergie, non. Très bien. Voilà, moi mes bâtiments coûteront moins cher, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai perdu de la réputation auprès du Landstat. Ouais, 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 ouais. Centre de renseignement. Ok. Deux nouveaux bâtiments. Bon, on va faire ça. Hein. L'événement prendra fin sans rien d'autre. Bah, parce que des bâtiments, on va les construire. Regardez, on a ça. C'est ça qui va être fini. Donc, c'est très bien. Bon, bah, l'épice, pas de problème. Agent non affecté. Bah, je sais pas, Jacqueline, tu vas aller là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, moi? Ça, ils ont 7 territoires, ouais, c'est bien. Ils ont un ornithoptère et une seule moissonneuse. Mais ils sont nuls. Ils perdent de l'autorité, ils ont plus de Solari. C'est très bien. Voilà, bon, bah voilà. Les Fremen dans la tourmente. Les Fremen dans la tourmente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ça. Bah voilà. Donc, c'est fait. Coût de construction en plus, oh lolo. C'est tellement moins cher les bâtiments. Parce que ça fait quoi de Pure Solari? J'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'on le sait quand on... la devise, ouais. Et fixé tous les 400 ans quand même. C'est fou. Ouais, on sait pas trop ce que ça fait de Pure de pognon. Alors juste, je veux voir un truc. Je veux juste voir s'il a des mecs invisibles dans sa vie, là. Ouais, récupérer de l'épice, ouais, si tu veux.
Je vais juste voir s'il a des mecs invisibles. Siege détecté, très bien. Moissonneuse inactive, très bien. Bah elle va y retourner, hein? Oh, non mais oh. C'est fou ça. Ces gens là qui croient qu'ils vont pouvoir chômer comme ça gratuitement. Bande de fous. Et si je fais ça? Coucou. Aïe. Est-ce que t'as des gens invisibles dans ta base? Ah, y'a pas l'air. Hein. Y'a pas l'air d'avoir de gens invisibles. Parce qu'ils m'ont pas tiré dessus. Ok, nous on y va. Par contre. Coucou. Non, sur eux. Voilà. Ok. Ok, alors, toi. Retour auto déployé. Ensuite, toi. Je suis à combien? 42. Est-ce que j'en ai encore besoin? Non. Par contre, j'ai besoin d'hégémonie. Oui, pour gagner plus vite, encore plus vite. Et comme ça, on va pouvoir avoir ça. Construire 0,2 nouveaux bâtiments. Bah, c'est fait. Non, bon, il n'y a pas compté. Ah, c'était peut-être des bâtiments dans la capitale. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais les construire là. Ce sera très bien. Je vais astuer ce village. Parce que ça m'ennuie. Comme ça, mes troupes, elles pourront passer où elles veulent. Ok, nous on arrive, voilà. Ok, donc là il a pas de troupes invisibles. C'est ce qu'on a vu. Très bien. Nous, moi ça me va en vrai qu'il n'y ait pas de troupes invisibles. Alors, village assiégé. Ouais, non mais t'inquiète pas, on est là. Hein. Regarde, hop. Yahoo! Yabalabalou! Et voilà. Ils sont tous morts. Là, ça leur apprendra de m'attaquer. Hein. Ouais. Pas m'attaquer, moi. Nouveau conseil, l'autre stat encore. Faction gagne. Qu'est-ce qu'on me raconte encore? Révolte en cours. Pourquoi? Pourquoi j'ai encore une révolte? Je ne comprends pas pourquoi j'ai une révolte pour le coup. Là, vous allez avoir un verre des sables sur la tronche, donc vous allez vous casser. Voilà. Alors, révolte en cours. Ok, vous allez passer par là. Courez. Jusque là. Et pourquoi j'ai une révolte ici? Pourquoi on me dit que j'ai une révolte? J'ai de l'argent, j'ai tout en fait. Donc qu'est-ce qui fait que j'ai une révolte? Et les miliciens sortent pas pour les révoltes, hein? Mmh. D'accord, bah écoute, on va y aller, hein. Mais je comprends pas pourquoi j'ai une révolte. Ça m'ennuie de pas comprendre. Bon, de toute façon, on va le perdre, le village, mais on va aller le récupérer. Ah bah, il va à moins 44, tu m'étonnes que le place crit, il tombe à vue d'œil. Tac. Ouais, et puis là, je pourrais rien faire, de toute façon. Moissonneuse inactive, mais déploie-toi toute seule. Vraiment usant, ça, que ça se déploie pas tout seul. Encore un verre des sables, mais c'est pas possible. Le jeu t'en met trop, quoi. Beaucoup, beaucoup trop. Sérieusement. Il y a beaucoup trop de verre des sables. C'est hallucinant, quoi. Oui, oui. Solari, moins 50%, tout ça, on sait. Vitesse de construction des bâtiments, révolte en cours, on sait. Verre des sables, ressources insuffisantes, oui, oui. J'aimerais bien juste savoir pourquoi j'ai une révolte. Il n'y a pas de raison que j'ai une révolte. Il n'y a pas de raison. On a perdu le village, vous allez pouvoir rentrer. Parce que ça m'étonnerait que vous y arriviez. Voilà. J'aimerais juste savoir pourquoi. C'est un peu embêtant. Parce que j'aimerais juste vraiment savoir pourquoi j'ai une révolte en fait. Village perdu, oui. Vers des sables détectés. Encore un. Il n'y a pas de barre. Il n'y a rien qui, en fait, qui vous indique quand vous allez avoir une révolte. Vous avez des... Quand t'as pas d'eau ou quoi, je veux bien comprendre qu'il y ait une révolte, mais... Ah oui, non, mais je peux le racheter tout de suite. C'est ça qui est fort. Encore... Hein, va se calmer le vers des sables, là. Hein. Toujours un vers des sables, quoi. C'est fou, ça. Il y en a toujours un. Alors, on me dit qu'on peut aller voter. Alors, président du conseil. Ouais. Bonus d'échange, ouais, si tu veux. J'en ai pas besoin, mais je vais le faire pour pas que les autres l'aient.
Franchement, le... Bon, ça m'en fout un peu. Hop, bon, on a zéro de place crit, mais c'est pas grave. De toute façon, on ira l'acheter. On ira encore arnaquer des Harkonnen ou un truc comme ça, vous inquiétez pas. On va retrouver de l'argent. L'argent, on l'a de toute façon. On a le pognon. On a tout ce qu'on veut, donc... On a l'eau, on a le pognon, on a le man... Ah non mais manpower, ah oui non mais j'en ai de la manpower. Ah mais bientôt 8 points de commandement supplémentaires, très bien. Mais on peut aller chercher ça en fait. Donc on va aller le faire. Et en plus ça, ça nous donnera de l'hégémonie. Très bien. Est-ce qu'on a l'influence? Non, on n'a pas l'autorité pour, mais c'est pas grave. Vers des sables détectés. Encore pour ma gueule? C'est fou ça. Tous les jours. Bonjour. C'est vraiment pas une planète amicale, hein. Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Voilà. Très bien. Bon, bah j'ai le pognon. Voilà, j'ai le pognon. Toujours plus. Toujours plus de pognon. Allez. Garde du long de stat, là. Allez, là-dessus. Alors, est-ce que c'était utile de d'attaquer ça? Non, mais c'était marrant. D'accord, ils peuvent plus se barrer, mais pourquoi mes troupes peuvent pas se barrer? Merci. Voilà, c'est... Encore... Il m'énerve, c'est vers des sables à la con! Pardon. Ça, c'est juste, c'est énervant. Vous sortez, boum. Ok. Bon, bah d'accord. Mais je suis très content de l'apprendre, de perdre toutes mes troupes comme ça gratuitement. Ah bah maintenant je peux l'acheter. Alors, toi tu vas aller là. Est-ce qu'ils auront le temps de revenir? Ah non, non, attends, attends, attends. Il y a un verre des sables qui arrive, on va l'acheter comme ça, c'est très bien. Voilà. Hein? Parce que il y en a assez. Les verres des sables, c'est bon. Il y en a assez, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Il faut absolument pas mettre en normal quoi. Il y en a juste trop. Trop, 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 bien trop. Il faut quand même que le jeu soit agréable quoi. Regardez, toutes les deux secondes j'ai un verre des sables qui pop. Encore, quand je dis deux secondes, je suis con, je suis... Hein? Prendre le contrôle de deux nouveaux villages. Ah bah ça va pas être fait par le coup. Allez. Alors, siege détecté, on s'en fiche. Encore une moissonneuse inactive. Allez. Oui. 21 sur 26. Très bien. Alors, au niveau de l'eau, pourquoi ça vient de descendre tout seul? Je ne sais pas. Mon eau vient de descendre toute seule. Très bien, je suis content. Ouais. Hégémonie plus 1400. Très bien. Recherche. Ah, très bien. Structure de soutien. Ouais, si tu veux. Délégation. Ok. Et Ah, plus de militaires. Est-ce qu'on est content? Alors, pas s'inquiéter, tout va aller. Tout va bien. Okay. Ah, je voudrais tellement les tabasser le bleu. Allez, on va les tabasser le bleu. Vous savez quoi? On va les tabasser le bleu. Tout le monde ici. Vous allez là. Et vous allez là. On va les tabasser le bleu, ça va nous faire du bien. Je voudrais voir ce que ça fait si on élimine un joueur en fait. Je voudrais y arriver. Est-ce que il est juste éliminé? Est-ce qu'on peut prendre son siege? Est-ce que... Enfin, sa capitale? Je ne sais pas. Donc on va voir ça. Et pour ça, bah, on va tabasser le bleu, parce que le bleu... Les contrebandiers, on n'aime pas les contrebandiers. Ok.
Voilà, donc là j'ai tout le monde, vous allez là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Raid détecté. Là, ça tombe bien, on est juste à côté. Bon, un raid. Aval va bientôt être pris. Repris plutôt. Voilà, merci. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on allait acheter, évidemment, du Plascrit. Acquis aux Harkonnen. Alors, mes amis Harkonnen, t'as combien de Plascrit? T'as 2000. Alors, il me faudrait... Voilà, je veux... voilà, 1000, quand même. Et moi, je vais te donner un peu de renseignements, voilà, comme ça tu pourras faire des opérations chez tes ennemis, voilà. Ça, tu seras content. Merci. Pause. Alors. L'usine de Plascrit, elle est où? Elle est là, plus 45. Déjà. Village assiégé. Ouais, bah vas-y, assiège. On va regarder ça. On va regarder ça ensemble. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Hein. Pour nous. Toujours. Les autres. Voilà, merci. Et vous, maintenant, vous allez là. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Un verre des sables. Où ça? Pour une moissonneuse. Ça va. Une moissonneuse, c'est à dire qu'elle va pas se faire bouffer parce qu'on a fait le truc automatique. Ça avance, oui. Moissonneuse inactive, elle va se déployer. Alal. Alors, vote au conseil. Coût d'entretien en eau, on va la rejeter celle-là pour le coup. J'aime pas que ça me coûte cher en eau. Coût de recrutement des unités, ouais, voilà. Niveau d'infiltration des factions réduit de 2. Voilà. Allez. Ok. Voilà. Alors. On va aller tabasser le bleu. Alors. Le Plascrit toujours pas construit. Merci. Quand même. Ok. Alors. Ici. Ensuite. L'hégémonie. Voilà. Ah mais ça, ça prend pas de... D'accord. Ah mais ça, ça rentre pas dans le... D'accord. D'accord, ok. Ça coûte pas de manpower. Oh. Ah non, donc c'est vachement balèze. En vrai. Les gars, ils sont gratuits. D'accord. Ah d'accord, il l'annule complètement. Et il pille le village. Et ça m'a rendu mon autorité et tout. D'accord. C'était presque fini, vous êtes méchants. Ils sont méchants, hein. Moi, j'allais l'acheter, hein. Verre des sables détecté. C'est une moissonneuse, ce n'est pas grave. Ok. Ah, une unité de plus, très bien. Ah, mais par contre, on a bientôt gagné. Et ça, c'est bien. Donc, on va se dépêcher d'aller tabasser le bleu. Voir ce que ça fait. Allez, on y va. À mon avis, ça va mal se passer pour nous. Je dis ça, je dis rien. À mon avis, les villes principales, ça doit pas être facile à prendre. Mais pourquoi une révolte ici? Dis-moi tout. Dis-moi tout le jeu. Attends, attends. Je vais juste aller là. Dis-moi tout le jeu. Pourquoi j'ai une révolte dans ma ville? Ça m'intéresse. Plus c'est vrai. Attendez. Oui, bon, tu m'as tué un mec, c'est bien. T'es content. Tu es content, je suis content, tout le monde est content. Alors, est-ce que je peux voir les gens? Merci. J'ai sélectionné eux, ce serait pas mal. Encore un verre des sables, mais encore sur ma tronche, quoi. Pas possible, je suis en pleine bagarre et il y a le verre des sables qui arrive. Je ne vois rien. Que le lui, voilà. Attendez, là il y a encore des révoltés. Et toute mon armée elle est morte. Contre 4 révoltés. D'accord. Mais ils sont bien nombreux les révoltés. Pourquoi pourquoi j'ai pris si cher contre des paysans? C'est fou ça. Pourquoi j'ai pris si cher contre des paysans, quoi? Et c'est quoi ce jeu?
pourquoi, pourquoi. En fait, le jeu, là, je suis en train de me dire pourquoi. Tout le temps. Pourquoi j'ai des révoltes. Pourquoi, 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 pourquoi. Juste me dire pourquoi j'ai une révolte, quoi. Oh, j'aimerais juste savoir ce qui se passe, en fait, dans la tête du jeu. Pour qu'ils me disent, là, t'as une révolte. Non, mais... C'est pas possible, cette imbécilité devant le jeu, quoi. Les gens se suicident. C'est fou, hein. Vos unités décident de se suicider. Et ça c'est fort. Passer par là. Bon, voilà, on a perdu un nouveau village. Parce que révolte, parce que on sait pas pourquoi. Encore? Ah non, mais attendez, encore? Attendez, mais il y a des vers des sables trop. Il y a trop de vers des sables. Il y a beaucoup trop de vers des sables. Moi, ça ne me plaît pas de me dire je ne peux pas me balader, je peux rien faire sans qu'il y ait 12 vers des sables qui m'attaquent. Dans le jeu. Je peux rien faire. On le voit, à chaque fois, j'ai 12 vers des sables qui sont, ils sont tout le temps là. C'est pas agréable de jouer comme ça. Sérieusement, moi je trouve pas ça agréable de se dire je peux pas me balader sans qu'il y ait 15 vers des sables qui m'attaquent. Je sais que c'est un peu le but du jeu d'avoir des vers des sables, mais il arrive un moment où là c'est trop. Trop, 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 trop. Beaucoup trop de vers des sables. Il y en a beaucoup trop. C'est pas top top quoi. Et tout le monde est chez moi là. Il y a des rapaces. C'est fou, hein. Moi, je trouve ça fou, quand même. Le nombre de vers des sables qu'il y a. Je vais mettre un protecteur, on n'en a pas encore mis. Voyons voir ce que ça fait. Ah non, il y a l'autre truc aussi. Ah oui, mais non, je peux pas acheter le drone. J'ai pas la recherche pour, je crois. Alors. Ok. Moins 0,8 de place crit. Ça, c'est bien. Plus 3 en eau, ouais. Une tourelle à missile. Vous. Là. Où est-ce qu'elle est la barre de révolte? On n'a pas de barre de révolte, on n'a rien. Hein. Donc, c'est un peu perturbant, je trouve. Construction achevée. Très bien. On est content. Taxe impériale acquittée, on est content. Bon, bah, on a gagné, ça c'est sûr, déjà. Mais je suis pas content sur plein de choses dans le jeu. Mais on en parlera dans une autre vidéo dédiée. Il y en a une qui va sortir, où je ferai une petite review. Pour le coup, bah, certainement la prochaine, hein, parce que bon... Je vais pas relancer un épisode alors qu'il nous reste, voilà, on est à 2K de la victoire. On va peut-être finir cet épisode, ça va durer peut-être un peu plus longtemps, mais c'est pas très très grave. Coût d'entretien Solari, oui, pour tout le monde. Alors, je vais retenter encore une fois les contrebandiers. Voilà, et je vais saquer dessus. Tel un sac à merde. Ah oui, d'accord, non mais attendez. Landstat, il est où? Voilà. Voilà, il nous reste plus que ça, et on est partout. D'accord, ok. D'accord, nous sommes... voilà, nous on est la politique, quoi. Ah, voilà mes protecteurs. Alors, ils font quoi, les protecteurs? Ils tapent au corps à corps, d'accord. D'accord, ok. Ah, ils sont pas mal, hein. Ah, ils ont des petits boucliers et tout, sympa. Et le drone de soutien, il faut quoi? Il faut des cellules de carburant. D'accord, alors tu vas m'en mettre un protecteur. 34 sur 34, ok. On est à combien? Ouais, on est toujours à plus que tout va bien. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Encore un verre des sables. Déployer. Ok. Verre des sables, oui. Tempête de sable. Encore? C'est fou. Voilà, mais les tempêtes de sable, voilà, il y en a quand même beaucoup moins que des vers des sables, alors qu'ils sont tous les deux en normal. C'est ça aussi que sur lequel je veux rebondir, c'est que j'ai mis les deux en normal, et on a l'impression qu'il y en a un qui est un petit peu plus présent que l'autre, quoi.
Tout petit peu. Ici. J'ai déjà une usine de place crit. Oui, mais j'ai pas le truc d'entretien. Et où? Il est là. Vas-y, mets ça. Ça permettra peut-être de diminuer encore l'hémorragie. Évidemment, ça, quand je l'ai perdu, bah, ça m'a fait perdre plein de place crit. Parce que j'ai eu une révolte. Et je ne sais pas pourquoi. Quand même un peu dommage, ça, de se dire on sait pas pourquoi. Et on n'a pas d'alerte avant, hein. C'est juste, on vous dit pas par exemple, attention, le moral est bas dans tel village. Et là, vous allez voir, et puis vous auriez une indication. Non, non, on vous dit juste révolte. Et t'as 30 secondes pour y aller. D'accord. Non, mais tout va bien, les gars. Tout va beaucoup trop bien. Il reste 4 jours. Très bien. Nous sommes à 23. Très bien. Hop là. De toute façon, ça va nous faire augmenter plus vite, hein, parce qu'on aura une nouvelle région. Évidemment. Découverte, événement. Tiens, j'ai eu un événement qui m'a donné 200. Ok. Les 6 chaliers, ça donne quand même 400. Hein, donc ça peut être pas mal quand même de mettre des gens ici. Échanger 10 en eau contre 1 d'autorité. 10 en eau, ouais, je les ai. Je les ai, mais on les aura encore plus quand je reconstruirai des trucs. Voilà, je regagne plus 28. Raid détecté. Encore! Toujours le même village. Hein. Ils aiment bien raider celui-là. Pourquoi je suis passé à plus 28 juste en mettant un truc, quoi? J'ai dit que ça allait arrêter l'hémorragie, mais j'ai pas dit que ça allait me faire gagner la partie, quoi. C'est pas pareil. C'est quoi ça? Village assiégé, oui. Opération ennemie contre vous, oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Ressources insuffisantes. Pourquoi je viens de perdre 9 en eau? Et pourquoi? Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils prennent le village. D'accord, ok, oui. Bon, ça, d'accord, je comprends. Je comprends. Donc là, ça va être la merde et on va avoir des révoltes partout. C'est ça que ça veut dire. Voilà. On va en cours. Ah non, je crois que ça va être révolte. Allez, libérez-moi ça, là, dépêchez-vous, qu'on puisse avoir de l'eau, là. Ça me fatigue. Voilà. Vers des sables, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Venez là. C'est bon, on a re de l'eau. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous contrôlons la situation. Ok. Nous avons contrôlé la situation, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, lui, ça doit être, je sais pas, il est où le Sitch qui arrête pas de m'attaquer, mais il doit être là, je pense. Mais il me fatigue. Très bien. Bon, au final, on aura éliminé personne. Parce qu'en fait, j'étais parti pour le faire, mais on s'est pris une révolte dans le HUC. Donc forcément, je ne pouvais pas le faire. Voilà, mais là, est-ce qu'on pourrait y retourner? Peut-être. Est-ce qu'on n'aurait pas une... Alors, sans révolte, hein, s'il vous plaît, le jeu, là. Est-ce que le jeu pourrait ne pas me mettre de révolte pendant 30 secondes? Je sais. Oh, pourquoi j'ai marché sur une mine? Combat en cours. Opération contre nous. Et ok, c'est pas une mine. C'est lui qui me tire dessus. Très bien. Je suis tabassé. C'est son Sitch qui me tire dessus. D'accord. Mais... C'est eux qui m'agressent, hein. Vous l'aurez remarqué. Donc nous sommes obligés de les agresser. Avancez, 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 avancez. Voilà. Allez, on y va. Tabassez-les. J'ai dit tabassez-les. Alors. Régénération. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Très bien. Et en plus, ça nous soigne. Oh, mais c'est pété. Vraiment pété. Tabassez-les. Ah oui, non, mais d'accord. Et ça a masse vie, quoi. Ouais, non, c'est pas... D'accord, le jeu est pas fait pour qu'on élimine les gens. Le jeu est pas fait pour ça. On n'a pas... nos troupes font pas assez de dégâts. De quoi encore un verre des sables? J'étais super loin.
Ok, les troupes font pas assez de dégâts sur les bâtiments pour que ce soit prévu. Je pense pas que ce soit encore prévu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être des unités beaucoup plus puissantes en termes de dégâts sur les bâtiments. Type char ou des trucs comme ça. Je pense peut-être. Je pense que ce serait pas du luxe d'avoir des chars. Parce qu'en plus... Oui, oui. Parce que en vrai... dans Dune, vous avez des véhicules, vous avez des chars, vous avez tout cela. Donc, ce serait pas déconnant d'en avoir. Ce serait pas déconnant que le jeu nous en mette, en fait. Et ça se régénère, c'est ça? Ah non, il n'y a pas l'air de se régénérer, par contre. Donc, ouais... En s'y mettant à 50, pendant 8 ans... Peut-être. Ouais. On peut assassiner, d'accord. Mais ça sert à quoi? Tentons d'assassiner. Ah, on peut en assassiner qu'un. Ouais, bah écoutez. Par contre, ça c'est pété. Le truc de ravitaillement, le truc qui te soigne tes troupes quand t'attaques un. Alors, ah, attendez. Utiliser des contacts politiques. Chance de capture des agents, de lancer l'opération plus 2 agents. Durée de la mission plus 200%. Chance de capture immédiate de l'agent. Ouais, mais on n'assassine pas le leader. On n'élimine pas une faction juste en assassinant son leader quand même. Ce serait un peu pété. Construction possible. Ah, on peut construire un truc ici. Vitesse de recherche avancée, vitesse de recherche, ok, vitesse de recherche, ok. Plus 20% d'hégémonie avec les actions du chat, mais on les a pas vues. En militaire, main d'œuvre, formation des unités, plus 20% de points de vie, gain, régénération des unités, ouais, on va faire ça. Là, on pourrait encore construire un truc. Mais on n'a plus d'argent. On n'a plus de place crit. Par contre, on a plein d'autorités. Donc, on va peut-être acheter des villages. Parce que pourquoi pas. Continuer, hein, tant qu'on y est. Ah, bah voilà, regardez. Hop, on va acheter celui-là. Quoique, c'est, j'aime bien avoir de la continuité. Donc, on va acheter celui-là d'abord. Même si là, il y a un truc. Hein, il y a le grand volcan. Le grand volcan. On a l'impression d'avoir un truc genre l'invocation du grand volcan. Je rejette ça. Ça je veux bien par contre. Voilà. Et puis coût de construction des bâtiments, pourquoi pas. Ouais. Le grand volcan. Alors. Ça oui. Alors. En plus, en fait je pourrais tellement attaquer tous les villages et puis juste les prendre quoi. Alors. Donc on a vu qu'on se fait rect hein, notre armée dès qu'on attaque une ville. Donc mis à part aller tabasser les gens gratuitement comme ça, je vois pas trop à quoi ça sert d'une armée en fait. Parce que l'ordi il est pas violent non plus, après on était en normal. Donc, est-ce que c'est parce que je suis en normal que l'ordi n'est pas violent? Ou est-ce que c'est juste l'ordi qui est tout le temps comme ça? Je ne sais pas. C'est vrai, on a l'impression que c'est tourné vers le militaire, mais... sans être tourné vers le militaire, c'est un peu bizarre. Mais on en parlera. J'en reparlerai. Je m'exprimerai sur le sujet plus tard. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah mais j'ai... Agent allié capturé, bande de salauds. Ok, voilà. Là on les attire en dehors de leur territoire et on les tabasse. Parce que j'aime bien tabasser des gens. C'est gratuit. Et surtout ça fait des points. Attention vers des sables les gens. Elle attaque ça. Voilà. C'est surtout que ça fait des points. Ah mais maintenant on va peut-être pouvoir le casser. Hop là, là on fait hop, ici. Voilà. On a perdu une unité. On a perdu une unité. Non ! Oh vite ! Ouais non, regardez, regardez la vie qu'il a. On lui fait vraiment rien au niveau de la santé. Donc on va se casser. Non, on fait vraiment rien au niveau de la santé.
toute façon, il y a un Verdesop qui va me bouffer toute mon armée, comme d'hab. J'ai envie de dire... Voilà, hop. Je te bouffe la moitié de ton armée parce que j'aime bien ça. Alors, j'ai quoi? Ouais, j'ai... Ouais. J'ai plus de soldats. Intéressant. J'ai plus de m'attaque au corps à corps. Vous. Déploiement. Vous. Déploiement. Qu'est-ce qu'on me dit? Construction achevée. Où ça? Pourquoi? Oui, ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Vers des sables. Encore. Allez. Ah mais alors attends, si toi je te tue et toi je t'enlève, vas-y dégage, juste voir un truc. Oui, on peut mettre un drone de soutien, on va le faire parce que je vois qu'on a bientôt fini et je veux voir le drone de soutien, ce qu'il fait, voilà, et voir l'unité. J'y avais pas pensé. T'as tué mon dernier ornithoptère, on en a plus besoin maintenant. Construction possible dans la ville, très bien. Main d'œuvre, point de commandant plus 12, bah voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout que ça va aller encore plus vite quand on aura ça. J'aimerais bien qu'il soit fini avant. Que ça, ce soit fini, mais ça m'étonnerait. On aura peut-être pas le temps de le voir, ça me... Et là, on voit pas le compteur, regardez. Day left 4, day left 3. Ah oui, si, c'est si long que ça. Ah ouais, d'accord, c'est vachement long en fait d'acheter les villages. Enfin, acheter les gens, c'est long. C'est fou ça. Il reste quoi? Ah, ils sont en typos quand ils sortent, c'est assez intéressant. Celui-là ou celui-là? Bon, attendez, nous on va aller là. Alors, vous passez bien là, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur celui-là, d'accord. Là, vous allez là. Ah si, c'est bon, attendez. On peut voir le drone. Il est où? Ah mais il est trop beau. Regardez, il est trop beau. Il est trop beau. Mais ça attaque aussi. Mais ça tire ce bordel. C'est très bien. C'est très très bien. Hop là. Et maintenant vous allez là. Ok, ça tire aussi. C'est très bien. Oui, 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 on me tire dessus. Je suis content. Ok. De toute façon, hop là, là on va avoir Osgiliath, voilà, 25k. Donc voilà, maintenant que je suis à 25k, on va voir ce que ça fait. Est-ce qu'il est, c'est juste mode c'est bon, t'as gagné, bravo à toi, GG, ou est-ce qu'on a un vrai tableau des scores? Voyons voir. Alors on va faire style. Ah, victoire! D'accord, donc on a un vrai tableau des scores. Votre incontestable hégémonie a conduit le Landstat à vous reconnaître comme légitime dirigeant d'Arrakis. Bravo à moi. Ah, on peut continuer à jouer. D'accord. Ça n'a pas d'intérêt. Personnellement, je trouve. Mais voilà, bon, bah, on a gagné. Et d'accord, le jeu continue derrière en mode... ok. Alors, le tableau des scores. Est-ce qu'on a un vrai tableau des scores? Ah d'accord. Ça au moins, le tableau des scores, il n'est pas encore implémenté. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation sur cette belle victoire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!